Salut, salut, donc on se retrouve où je vous filme avec mon iPhone puisque j'ai pas encore reçu votre caméra et je l'ai pas encore testé. Donc on se retrouve pour le rangement et le tri de mon make-up. Donc là c'est tout ce que vous pouvez voir, c'est un autre angle de prise de vue. C'est ce que vous pouvez voir, mais il y a encore beaucoup à trier. Donc je vous mets dans le petit i, donc je crois que c'est ici. Non, ou peut-être ici puisque là je suis inversée vu que je suis en retour écran inversé, je sais pas, enfin des deux côtés dans le petit i. Je vous mets le rangement make-up, le dernier que j'ai fait. Donc là, déjà, ce que j'ai fait, j'ai interverti mes deux meubles Alex. J'en avais un pour les ongles et un pour le make-up. Et voilà, donc là, j'ai interverti les deux. Et on va pouvoir commencer à trier et ranger un peu. Et voilà, parce que là, c'est foutoir total, total, total. C'est un gros bordel. Et encore, je vous montre même pas... je vous montrerai peut-être après si vous êtes sage, mais de ce côté-là de mon bureau... J'ai des cartons absolument partout, parce qu'à force de garder tous les cartons pour des ventes Vinted ou des swaps ou des colis concours et tout ça, alors que j'ai toujours rien mis en vente sur Vinted, je fais que très peu de swaps et je fais pas énormément de concours non plus. Donc je garde les cartons pour rien depuis longtemps. Voilà. Donc il y a une montagne par là, plus des trucs que je dois mettre en vente sur Vinted et que j'ai absolument la flemme de faire. Mais voilà, donc je vous mets le lien de mon Vinted de toute façon en barre d'infos, puisque vous aurez certainement les produits que je vais enlever, je vais certainement les mettre en vente, puisqu'il me faut des sous. Il faut que je rachète un appareil, parce que je pense que l'autre ne sera pas, ne me satisfera pas entièrement, et un Steampod si j'ai acheté un de ces quatre, parce que j'ai le Babyliss maintenant, du coup je l'ai eu, il est bien, il est très bien, mais il est juste pas autant... efficace que le Steampod, quoi. Voilà. Mais sinon, rapport qualité-prix, top. De toute façon, je vous ferai une revue, un comparatif avec le Steampod de ma belle-sœur. Comme ça, on pourra comparer les deux et on verra ce que ça donne. Bon, bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais alors du tout, tu t'égares, cocotte. Donc là, je vais me chercher un petit café et puis on va pouvoir commencer à ranger. Donc ça, c'est les deux meubles Alex que l'on va devoir trier. Donc normalement, j'avais les ongles ici et le make-up là. Là, j'ai interverti, donc voilà. On va devoir trier aussi tout ce qui est ici au-dessus. Au-dessus, c'est les vernis, donc il n'y a pas trop besoin. Mes palettes. Et puis bon, voilà, c'est mon bureau. Il n'y a trop rien à trier, mais plus à ranger. Donc je vais essayer de vous rapprocher des tiroirs pour que vous puissiez mieux voir. Et puis on va attaquer ça tout fait. Donc voilà, là je pense que vous voyez bien. J'espère juste que vous m'entendrez bien aussi. Donc c'est les petits compartiments. C'est des plateaux qui venaient de chez Action compartimentés. Et j'ai juste enlevé une latte sur le côté pour qu'ils rentrent pile dans le tiroir. Ça laisse un tout petit fond derrière d'une dizaine de centimètres, mais je m'en sers jamais. Donc voilà pour ça. Alors, là ici j'ai des blushs, des palettes de blush, du contouring et tout ça, mais ça on va trier. C'est principalement, je tape tout ici en fait, quand j'en ai un peu marre. Donc ici déjà je vois que j'ai un brush guard, donc ça c'est pour descendre, puisque comme je lave mes pinceaux en bas, je les mettrai en bas. Alors, j'ai ce rouge à lèvres blanc de chez Révolution que j'ai utilisé une fois, que j'aime pas du tout. C'est le psychédélique. Donc, ça, je vais virer. Je vais mettre dans une petite boîte tout ce que je vire. Ça sera pour vendre ou donner, on verra plus tard. J'ai ici des petits embouts mousse, donc ça, je garde, c'est toujours utile. Les petites mousses de mon recours de cils aussi. Ça, c'est les flotteurs, c'est pour la poubelle, enfin un papier pour retenir mes fossiles. J'ai le savon pour les sourcils de chez Révolution, donc je l'ai utilisé qu'une fois en crash test. Voilà, je suis pas en manque de savon, hein. Donc je vais laisser là aussi toutes mes piques à brochettes. Donc ça, je vais virer. Je m'en sers quand je dois touiller ou des trucs comme ça, mais j'ai pas besoin de tout ça en fait. Donc voilà, je vais en garder 2-3, mais j'ai pas besoin de 50 millions, donc je vais les mettre ici. Alors, les petites colles à fossiles qui sont dans les fossiles, hein, qu'on reçoit, ça je les garde parce que voilà, si je dois partir une fois, c'est toujours pratique. La colle de chez Primark tient super bien. Ici, je sais même plus d'où il venait celui-là. Et voilà, ou quand je collais des strass, c'est pas mal non plus. Donc, ça, j'utilise absolument plus. D'ailleurs, ça vient de chez Action, Max & More. Ça fait très longtemps que je les ai. Je pense même que je vais les jeter. Je ne vais même pas les donner, celui-là. Alors, j'ai le crayon contour de chez Neve Cosmetics. Alors, je ne l'ai pas utilisé depuis un bail. Mais il y a une série de vidéos où je vais certainement en avoir besoin. Donc, vous avez bronzer et highlight de l'autre côté. Et voilà, vous verrez ça plus tard. Donc, je vais le mettre ici. Alors, on peut passer au blush. Je vais peut-être avancer un petit peu.
Le blush de chez PB Cosmetics, il est très 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 vieux. Celui-là, je vais le jeter. C'est un blush crème. De toute façon, tout ce qui est crème. Là, bah, j'ai un blush crème de chez Révolution que j'avais une fois dans un mystery bag. Celui-là, je vais peut-être le mettre en vente. Je pense que je ferai un petit lot avec tous les produits Révolution, Essence et tout ça que j'utilise pas. Et je ferai un lot complet. Donc ça, celui-là, je peux le mettre en vente. Il n'est pas bien vieux. L'highlighter de chez NYX, il est très beau, mais trop foncé pour moi. Donc celui-là, je vais le mettre en vente aussi. Il est très joli, hein. C'est le fleur écrasée. Voilà, donc ça vire. La petite palette de blush de chez ELF, celle-là, j'utilise encore assez bien. Donc je vais la garder. En plus, j'ai mis mon gros doigt dedans, comme d'hab. J'utilise bien, j'aime bien celle-ci. Pour l'instant, je mets là. Pareil pour la Forever Nude de chez BH Cosmetics, ça je garde. Le petit duo contour de chez EF avec c'est celui qui ressemble au Orgasm. Oh, je vais peut-être le garder encore un peu. Je crois que je l'ai jamais utilisé. On me l'a donné, je l'ai jamais utilisé. Tous les petits blushs ELF Studio là. Oh, 2, 4, 6, il y en a 8. Je les avais tous. Et il y en a qui sont carrément neufs que j'ai jamais utilisés. Il y en a que j'ai utilisé une fois, il y en a que j'ai jamais utilisé. Donc ça, hop, je vais les mettre en vente. Je ferai un lot. Voilà. Mon petit mini de chez Etude House. Je l'ai utilisé deux fois et je crois que la teinte ne me convient pas. Il est beaucoup trop clair pour moi. Ouais. On le voit à peine. Mais bon. Et pour le vendre, c'est plus top top, hein. Je vais quand même le garder par nostalgie, mais c'est un peu concon, quoi. Pareil pour celui-ci, chez Etude House, il est trop clair pour moi, je crois. Mais pareil, je le garde par nostalgie et pour le packaging. Mais j'avais vu Indy qu'il le mettait à la houppette et que ça allait mieux. Donc j'ai peut-être essayé la houppette. Bon, j'essayerai la houppette et puis on verra bien s'il finit en vente ou pas. Le Love Hangover de chez Too Faced, celui-là je garde parce que je l'aime bien. Voilà. Le blush H&M Physician Formula, je garde. mes petits blushs de chez Essence, ça je garde. Le Sephora, je garde. Le Max & More, donc celui-là, pareil, je ne l'ai jamais utilisé. Je l'ai juste swatché. Il est joli, hein, mais. Ouais, je n'utiliserai pas. La Mosaic Compact Powder. Donc, ça, c'est aussi un qu'on m'a donné. C'est un brillant. Hein, c'est un bronzer, mais très clair. Très, très, très clair. Ça, je pense pas que je vais utiliser. Je verrai bien ce que j'en fais, mais je pense pas. Je ne vais pas le garder. Et j'ai trois Bosch I Heart Revolution, comme ça, I Want the Candy. Celui-ci, c'est un satiné, il est très joli. Ouais, celui-ci est très beau. Celui-ci, c'est un satiné aussi, mais je crois qu'il est trop foncé pour moi. Ah, il est cristallisé, celui-là, de toute façon. Hop, celui-là, poubelle. Et celui-ci, oula, j'avais acheté ça, moi. C'est un peu vendu pour moi. Donc bah, je vais juste garder celui-là, j'en jette un et l'autre je vais le mettre en vente. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc on a toute cette place-là. On va voir ce qu'il y a dans le tiroir suivant. Donc dans le deuxième. Là c'est mes pigments, les fards crème, pigments, highlighter, fards mono. J'ai cette petite palette de contour de chez Révolution que j'aime beaucoup. Alors c'est vrai que ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas utilisée, mais je l'aime beaucoup. Et vous êtes un peu mal centré là, vous voyez plus la poubelle que le tiroir. Hein. Ici j'ai une palette d'highlighter de chez Révolution que j'ai eu dans un mystery bag, il me semble que j'ai jamais utilisé. Donc, ça, on va mettre en vente. Le eye beam de chez Benefit. Je l'ai vraiment utilisé tout un temps. Et depuis que j'ai racheté en grand format, je ne l'ai pas réutilisé depuis, enfin une ou deux fois. Bon, je vais quand même le garder. Parce que c'est quand même un highlighter. J'aime beaucoup beaucoup.
Ici, de chez W7, j'ai l'highlight, le bronzer Honolulu et le Candy Floss qui est un highlighter mais qui est pas de la bonne teinte pour moi, donc il est et puis pas assez flash aussi. Donc le Candy Floss, je vais le vendre, ça c'est sûr. Le Honolulu, je crois qu'il est un peu givré maintenant. Donc je vais le garder pour l'été, il peut être sympa. Le Ice Ice Baby de chez Essence, je ne vais pas le garder. C'était une collection limitée d'hiver, mais voilà. Le Marilou Manizer. Bon, c'est quand même un must-have, quoi. Donc non, je vais le garder. Le Kitten de chez Stila, je le garde aussi. J'utilise que ce côté-ci, mais je l'aime beaucoup. Alors, dans les fards mono, donc ici, c'était des rangements à thé, si je dis pas de bêtises. Là, je garde tout, même que j'utilise quasi rien. Je garde quand même tout, parce que, voilà, c'est un peu nostalgique. Et, enfin, quoi que, je me demande si... celui-ci de chez Etam, j'utilise jamais, donc ça, je vais pas garder. Le Kiko, je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que j'utilise jamais non plus, en fait. Mais il est sublime ce phare. Bon, après, j'ai potentiellement la même chose. Non, allez, hop, je vais le vendre. Mon Urban Decay, ça c'est clair que je garde. Et le petit ELF, là, j'arrive pas à m'en débarrasser. Je l'aime énormément. Pour les fêtes, il est magnifique. Donc, celui-là, je vais garder aussi. J'en ai plein d'autres et celui-là, je les ai tous donnés, mais celui-là, j'arrive pas. Enfin, celui-là, je le garde. Voilà. Alors, ici, paillettes et fossiles. Donc, au fond, c'est tout ce qui est paillettes, strass. Et ici, c'est tous les fossiles. Donc, les demi-wispies de chez Ardell que j'adore. Ceux qui me restent de chez Primark. Et les catrices qui sont très bien. Ça, c'est deux que j'ai encore testés, que j'ai jamais utilisés. Et ça, c'est des que j'ai d'entamés. Donc, j'avais déjà fait un tri dans les fossiles. Hein. J'ai juste gardé ceux-là de chez... Je sais même plus où. Je crois que c'était chez Action, Max & More, parce que c'est des dramatiques et j'en ai pas d'autres. Il y a ce site chez Bourgeois que j'ai jamais utilisé non plus, mais bon. Ouais, ici, je pense que je vais quand même tout garder. Après, la petite palette Claire, c'est là. Ouais. Donc, voilà, ouais, ça, c'est tout un petit peu du bordel, mais que je garde quand même. Le luminel de chez Yves Rocher. Celui-là, je vais peut-être le jeter, par contre, hein, parce qu'il est très, très vieux. Et ici, voilà, il n'y a déjà plus de make-up, c'est le bordel avec mes câbles et mes essuies de rechange et mon boucle. Voilà, donc là-dedans, c'est des fossiles que j'utilise, mes cotons, ma brume, mon huile à démaquiller, voilà. Ici, c'est tous les trucs que je me sers. Là, franchement, j'hésite juste avec le fond de teint Révolution. Ah non, il y a aussi la base Révolution, là, comme ça, que je n'aime pas du tout. C'est la Pore Perfecting Primer. Hein. Je n'aime pas du tout et je ne l'ai pas bien utilisé. Voilà, donc ça, ça vire. Le fond de teint XX, franchement, j'hésite à mort. Je sais pas si je le garde encore pour l'essayer ou si je le vire, je sais pas. Bon, je vais toujours le laisser là. Ma poudre libre Catrice qui est mal fermée. Donc vous avez un full face Catrice, je remets dans le petit i. C'est la dernière vidéo. Donc c'est la Nude Illusion. Qu'est-ce qu'il me reste dedans? Bon, les poudres, même que j'utilise pas beaucoup en libre, j'ai quand même essayé de les finir. Donc je vais mettre le tiroir ici. Mes poudres compactes, ma petite palette que j'adore de chez Révolution. Ça, je garde. Le rouge à lèvres Etude, je vous avoue que je garde uniquement pour le packaging. Voilà. Voilà, et tout le reste ici en dessous, je garde. Ça, c'est les trucs que j'utilise le plus. Donc, juste à côté, on a un pot ici avec des gloss. Ici, ce sont les crayons à lèvres. Et ici, les High Glisten de chez Révolution avec les pinceaux liner, donc ça je garde tout, je le sais. Les crayons à lèvres, je garde tout parce que j'en ai déjà pas beaucoup et je garde que ceux que j'aime vraiment bien. Alors la brosse à dents,
C'est parce que j'aimerais bien vous faire une vidéo où j'essaye de dompter mes baby hair. Et j'ai toujours pas fait. Et dans les gloss, bon, ceux-là, je vais les jeter déjà parce que... Oups, pardon, je vous fais bouger. Ça vient de chez Max & Mov aussi. Ils sont bien, ils tiennent plutôt bien, mais ils sont très, très, très vieux. Et vu que je mets jamais de gloss... Mes gloss NYX, ça, je garde. Je les aime beaucoup. Celui-ci, de essence, je crois qu'il doit être sec un peu. Quoique. Moi aussi, il fait des pâtés. Hop, poubelle. Ah, je vous fais bouger, je suis désolée. Hein. Les trois-ci de chez Action, je les aime beaucoup pour faire des petits effets. Alors, forcément, ça ne tient pas, mais ça fait de l'effet. Pareil pour les deux ici de chez Essence, les Holo Go. Et le gloss transparent de chez NYX, le Filler Instinct, je l'ai utilisé une fois, quoi. Je sais pas trop. Bon, je vais toujours le garder. Mais... Donc voilà mes super gloss. Alors ici, vous avez au-dessus les rouges à lèvres que j'utilise le plus. Enfin, de toute façon, là, c'est tous mes rouges à lèvres. Hein. Au-dessus, il y en a un peu là-dedans et dans le petit panier. Là, c'est celui-là principalement qu'on va trier. Ce qui est au-dessus, je garde tout, ça c'est sûr. Ici, dans le premier tiroir, donc vous voyez bien, ouais. Dans le premier tiroir, j'ai les... Salvation de chez Revolution, de Essence, un NYX Suède, un Glitter Goals, les Glitter Switch, les Révolutions, et voilà, c'est tout. Donc là, je garde tout. Donc les bacs en plastique, là, les grands trois tiroirs viennent de chez Action, et ils sont remplis de brôles, en fait, à la base. Ça, ça venait de chez Aldi, mais j'aimerais bien trouver un qui fait que compartiment rouge à lèvres, comme ça. Ici, ce sont mes focalures en crayon et mes catrices. Mon gloss Sleep Tease de chez NYX, que c'est le seul gloss que j'adore. Donc ça, je garde. Mes liners pailletés, Kiko, focalure et révolution, je garde. Ici, c'est un compartiment vide parce que je vais recevoir de nouveaux liners pailletés et colorés. Donc je les attends, que j'ai commandé sur AliExpress. Mes fards, je ne sais pas si vous voyez. Donc ici, ce sont les fards Beauty Beef, un focalure et un rue de cosmétiques. Je garde. Et ici, j'ai mis les liners chrome et les mascaras couleur comme ça de chez Action. J'utilise très rarement, mais bon, le Golden Rose, je peux peut-être le virer par contre, parce que celui-là est très vieux. Donc on va le jeter. Et donc dans ce panier de rouge à lèvres, que vous n'allez absolument rien voir. Voilà, ici c'est le foutoir, ça ne tient absolument pas bien. Donc j'avais déjà fait un gros tri aussi, hein, mais... De toute façon, je crois que je vais à peu près tout garder quand même. Après, il y a de la nostalgie, il y a des que j'utilise. Les trois révolutions, là, je les ai jamais utilisées, je crois. Mais je les garde parce que c'est des couleurs que j'ai pas ailleurs. Mes petits essences, j'arrive pas à m'en séparer. Pareil pour mes catrices. Donc, je vais déjà remettre les catrices au fond. Celui-là, je ne garde pas. Hein. C'est un Laetitia Wells, je crois. Ouais. Ça, je ne garde pas, par contre. C'est des marques que j'apprécie pas trop. Mes deux rouges à lèvres LF, comme ça, je les adore. Et celui-ci, c'est le Fieri Fuchsia. Oh, ben il est joli. Je ne me souvenais même pas que j'avais un comme ça. Voilà, ça je garde. Mes BH cosmétiques que j'adore, je garde. Les Wet n Wild, j'ai gardé vraiment ceux que je préfère, qui étaient des dupes de certains de chez MAC. Le rouge édition Velvet de chez Bourjois, je garde parce que c'est le seul rouge que j'ai. Et celui-là, je l'adore aussi, donc je garde aussi. Bon, on aura viré un rouge à lèvres. Voilà. Donc ici, c'est mon étagère à palette. Et juste en dessous, j'avais les petits tiroirs de deux compartiments comme ça qui rentrent pile poil dans la petite étagère en dessous. Donc cela venait de chez Aldi il y a très 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 longtemps. Ici, vous avez tous mes pigments pommades de chez Révolution et mon Sova Beauty. Donc là, je garde tout. Ici, c'est mes paillettes, celles que j'utilise le plus, et la colle de chez NYX. Je garde tout. Mes crayons pour les yeux. Donc là, on peut peut-être faire un petit peu de tri quand même.
Donc là, je voyais pas grand chose. J'en ai pas des masses, vous voyez. Là, j'utilise pas du tout, enfin les Max & More, j'utilise pas du tout. Et j'avais dit que je le mettrais en crayon à lèvres parce que j'en ai pas de marron. Et il y a deux bleus aussi. Voilà, il y avait deux bleus, donc ça je vais les virer parce que je les utilise pas. Ils ne marquent pas et ils ne tiennent pas sur mon micro. Je les ai testés une fois un, je crois. Mais Essence sur Urban Decay, ça je garde. Celui-ci j'aime beaucoup de chez Révolution. Vous voyez rien. Celui-ci de chez Révolution, mais Urban Decay Essence, mais je garde ceci. Et voilà. Ah, j'ai un NYX aussi. Bon, pour moi je l'essaye sûr. Je n'ai jamais testé. Ici, ce sont mes Jumbo, donc j'en ai deux de chez NYX, j'ai du Sephora, du Claire's, il me semble, et du Corès et un Coco. Donc ça, je garde, je les aime beaucoup. D'ailleurs, le Milk, il faut que je réutilise un peu plus en base pour terminer. Alors, ici, de toute façon, c'est mes étagères préférées, donc il n'y a pas grand-chose qui va virer. Ici, au début, vous avez un petit peu de palette de teint. Ensuite, les palettes, les chères que j'utilise le plus. Les Révolutions, les Beauty Glaze que je garde, là, Alexis Stone, tout ça, je garde tout. Il n'y a que ici, les deux là, que je ne garde pas. Donc ici, c'est une Vini. J'ai utilisé une fois le fard vert là. Et la petite Catrice que j'ai utilisée dans... Mon full face Catrice, c'est que je ne réutiliserai pas, donc je ne vais pas la garder. L'étagère au-dessus, vous avez toutes mes palettes Révolution ici. Et là, c'est Too Faced, Urban Decay et tout ça, Naked, que ça, je ne peux absolument pas m'en séparer. Malora, que la Elsa Makeup et la BH Cosmetics derrière, c'est des palettes que je ne peux absolument pas me séparer. Peut-être la BH. Donc peut-être la BH Cosmétique quand même. Ouais, je pense que j'ai d'autres couleurs plus intéressantes. Donc celle-là, je la garde pas. Chez Révolution, tout ça, je garde. Il y a les deux ici. J'avais bien fait un peu le tri que je ne garde pas. Donc celle-ci qui est la Visionary. Donc c'est la dupe de la Norvina. Je l'ai utilisé une fois, je crois, quelque part. Et la Eye Heart ici, Dragon Heart. Voilà, celle-ci, j'ai juste swatché. J'ai utilisé une fois un fard violet, je crois. Donc ça, je vais mettre en vente. Alors, ce qui me fend un peu plus le cœur, c'est mes palettes au-dessus. Donc là, vous voyez absolument rien. Donc je vais vous prendre vraiment le compartiment là qui me... J'hésite. Je suis un peu emmerdée avec ce compartiment-là de palette parce que je les utilise absolument jamais. Alors, quand je vous dis jamais, c'est jamais. Mais je les garde vraiment par nostalgie. Et est-ce que j'ai besoin de les garder par nostalgie? C'est un peu con-con, quoi. Donc, je sais pas. Un chien qui gueule, je sais pas pourquoi. On va regarder de plus près. Ah, vous avez un petit aperçu du bordel sur mon canapé, juste là. Un petit coup de café, allez. Donc, j'en ai une de chez Yves Rocher. Qu'on m'a donné et que j'utilise absolument pas. Je suis pas fan de Yves Rocher en règle générale. Donc voilà, elle est quasi neuve. C'est ma mère qui me l'a donné. Je crois qu'elle a utilisé une fois le fard là. Elle se maquille jamais. Donc c'est pas elle qui a fait des trous dans la palette. Hein. Donc ça, je ne garderai pas. Ensuite, il y a la Wish Come True de chez Sephora. C'était une collection limitée de Noël. Je l'ai jamais utilisé, je crois. J'ai swatché un fard et j'ai jamais utilisé. Après, le petit blanc là, a l'air sympa. Le blush est joli. Les highlighters sont beaux, mais bon. J'utilise pas ce genre de palette. Donc, je ne garde pas. Il y a mes trois slicks. Alors, il y a la Osho Special. Je crois que c'est celle-ci. Ouais. Celle-ci, j'ai vraiment du mal à m'en séparer. Et pourtant, je l'utilise jamais. Je sais pas. Ici que j'ai un peu du mal. Il y a la Eye Candy. Celle-ci, j'ai un peu plus utilisé. C'est vrai que le vert là, j'aime beaucoup. Celui-là aussi.
Mais bon, je peux retrouver dans mes grandes palettes les mêmes couleurs, quoi. Après, Stick, c'est de la qualité, hein, on peut pas dire le contraire. Et ici, c'est la Lagoon, hein, si j'ai pas de bêtises. Ouais. Bon, allez, hop, on va pas les garder, ça, hein, je les utilise pas. La NYX Crimson Amulet, la collection Dark Shadow, donc c'était une édition limitée. Et celle-ci, je la garde juste parce que j'ai pas d'autres Pharnyx en fait, mais c'est un peu stupide parce que je l'utilise pas. Donc vous avez des colorés au-dessus et des neutres en dessous, miroir. Ici, il vous expliquait comment faire le make-up des trois femmes de la série. Ici, vous aviez un mini liner et une mini base que j'ai utilisé. Blush et les rouges à lèvres, highlighter et rouge à lèvres que j'ai jamais utilisé. Donc allez hop, je vais virer. Et enfin mes trois mini kits, mes trois vis palettes. Là c'est un peu autre chose quoi. Parce que c'est vraiment les premières palettes colorées. Celle-ci elle est même collante quoi. Il faut que je la nettoie à mort parce que c'était de la gomme. Oh oui, celle-ci, non, je peux définitivement pas la vendre. Dans l'état où elle est, je peux pas la vendre. Je vais peut-être la donner. Ouais, je vais la donner celle-ci. Les fards sont nickel, hein. C'est le packaging en fait qui. Je sais pas, je vais essayer de le nettoyer. Si j'arrive à le récupérer, je la mettrai peut-être en vente. Sinon, je donnerai parce que je peux pas vendre quelque chose qui crade. La vis 2. Donc, pareil, hein. C'est le fard là que j'adorais celui-là. Mais c'est pareil, c'est tous des fards que je peux retrouver ailleurs et j'aime plus trop la qualité des fards Urban Decay. Donc, allez hop. Elle partira aussi, de toute façon il me faut des sous pour d'autres choses qui me plaisent vraiment, donc enfin que j'ai vraiment. Aïe, je me coince le doigt dedans. Que j'ai vraiment envie. Donc, et pareil pour la vis 3. Voilà. Je vais les mettre en vente sur Vinted. Si maintenant ça vous intéresse, le lien est en barre d'infos. Ça c'est toutes les palettes qu'il faut que je mette en vente. Donc bah, c'est déjà pas mal. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En gros. Hein. Et j'ai aussi plié tout ça. Donc ça fait pas mal. Ça fait pas mal, pas mal. Franchement, plus tout ça qui va à la poubelle. Enfin ça, je vais essayer de voir si mes nièces les veulent. Bon, quoique. Peut-être plus jeter. Hein. C'est peut-être plus prudent. Donc voilà, on a fait le tri. Maintenant, il faut que je range tous les cartouches dans le côté, mais j'ai la flemme. En plus, je sais même pas quelle heure il est. Quelle heure il est? Dis-moi quelle heure il est, téléphone. Je ne sais pas voir le téléphone, l'heure. Attendez, je reviens à 16h20. J'avais mangé un bout avant que la vidéo d'aujourd'hui soit en première. Donc aujourd'hui, mardi, jour où je tourne la vidéo. Et voilà. De toute façon, vous aurez un update, je pense, fin d'année de mon rangement make-up. Donc, vous verrez un peu comment je réagencerai. Parce que là, mes tiroirs, du coup, sont presque vides. C'est ce que j'essaye de faire, c'est d'avoir tout à portée de main pour pouvoir faire une tournante. Et ne pas avoir trop en stock dans les tiroirs pour pas les oublier dedans, en fait, et qui ne servent à rien. Je ne sais pas si j'aurais mis les affaires en vente avant sur Vinted. Je pense que oui, je pense que je vais faire ça demain. Et donc j'espère qu'il restera assez pour un jour où vous verrez cette vidéo, ou alors j'attends que vous voyez la vidéo plutôt, je sais pas. Je sais pas comment faire. Bref, ça c'est encore une autre histoire. Donc j'avais trié déjà précédemment, puisque j'ai deux swaps vite placard qui sont prévus, un que vous allez bientôt voir et un qui est en version calendrier de l'avant. Donc j'ai déjà enlevé certaines choses. Il y a déjà des choses que j'ai données récemment et il y a d'autres choses que j'ai mis dans les swaps et c'est pour ça que j'ai fait la vidéo après et que j'enlève moins puisque je voulais pas qu'elle voit ce qu'elle aurait pu avoir dans le swap. Donc voilà. Maintenant pour le reste, il y aura d'autres choses sur Vinted, notamment des bouquins, j'ai des chaussures, j'ai une ceinture, j'ai des vernis puisque j'ai déjà trié mes vernis aussi, des coques de téléphone du S8 Plus et voilà. Il faudrait vraiment que je m'y mette plus des fringues qui sont trop grands pour moi maintenant, vu que avec ma paire de poids, ils sont beaucoup trop grands, donc il faut que je les vende pour en racheter des nouveaux. Voilà, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, je sais pas, je sais que je regarde pas où ce qu'il faut avec le téléphone, c'est un peu compliqué. Et donc, je suis désolée, mais normalement, dans 2 jours, je reçois la caméra, donc on testera ça ensemble. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si jamais ce make-up décloteur vous a plu. De vous abonner si vous venez d'arriver sur la chaîne. Et donc en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis
Bisous, bisous.